Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pepup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Funko Pop pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui toutes les pops que j'ai reçues sur le mois de décembre 2018. Donc aujourd'hui j'ai 20 pops à vous présenter, mais vous en avez déjà vu une grande partie. Dans celles que vous avez vues, il y a déjà toutes celles-ci, plus je vais avoir une deuxième série juste après. Donc d'abord, on a commencé le mois avec l'ouverture du Marvel Collector Corp Doctor Strange, dont la boîte se trouve juste là, et dans laquelle on a eu le Doctor Strange Lévitation, ici. Ensuite, la semaine suivante, on a ouvert le jeu de Chase, qu'on verra juste après. La semaine d'après, on a ouvert la box Lord of the Rings, qui se situe juste là, dans laquelle il y avait deux pops. Il y en avait le Gollum transparent et Galadriel, deux exclusivités Barnes & Nobles. Galadriel, une de mes pops préférées ce mois-ci. Et enfin, donc la semaine dernière, on a ouvert le colis Pop in a Box pour le mois de décembre, avec deux pops normales, exclusivités Pop in a Box. On avait Harleen Quinzel, le docteur, donc Harley Quinn avant qu'elle se transforme, dans la série animée Batman, Venom Pool, également exclusivité Pop in a Box, et enfin on a eu le duo pack des 101 Dalmatiens qui est également exclusif à Pop in a Box. Donc ils nous ont envoyé 3 exclusivités sur ce mois. Ensuite, la deuxième partie des pop que vous avez déjà vu pour ce mois-ci, il s'agit du jeu des Chase, édition numéro 2. Que j'ai commandé sur le site Pop in a Box, où on m'en sort plutôt très bien, puisque sur 8 pop, j'ai eu 3 Chase. Donc on a eu d'abord Wonder Woman en normal et en Chase, donc Chase d'édition Sepia. Ensuite Triple H, donc WWE, la normale et la Chase, donc avec son masque. Stranger Things ensuite avec Démon Gorgon. La version normale, gueule ouverte, la version Chase, la gueule est fermée. Et Black Panther, la version sans le masque, c'est la seule sur laquelle je n'ai pas eu de Chase. Et du coup, j'ai eu celle-ci en double. Mais ça, c'est pas grave, elle servira de lot pour un giveaway prochainement. Voilà, donc ça c'était toutes les pops que vous avez vues sur ce mois de décembre. Alors, on va donc commencer les pops que vous n'avez pas vues pour le mois, il va en rester 6. Surtout mon mois. Et on va commencer avec deux pops Harry Potter. On va commencer par la pop numéro 51, donc Harry Potter avec l'éclair de feu, qui est une exclusivité aux États-Unis, box lunch exclusive. Hop, voici donc la boîte. Avec le set. Je ne crois pas en avoir encore dans ce set. Et du coup, vous avez donc ici donc Harry avec l'éclair de feu et de derrière voilà, donc ça c'était la première. Et en second, on a la pop numéro 49. Rumus Lupin en loup-garou, qui est une exclusivité Hot Topics aux États-Unis. Donc ces deux pops-là, je les ai commandés sur Pop in a Box. Au moment du Black Friday, il y avait des exclusivités qui étaient disponibles. Donc voilà. Et voici donc la pop de Lupin. Lupin en loup-garou. Voilà, donc ça sont les deux pops Harry Potter supplémentaires que j'ai eu pour le mois de décembre. Alors ensuite, on va parler du gros morceau pour ce mois-ci. Il s'agit de la pop Marvel numéro 308. Il s'agit d'un Thanos en 10 pouces. Donc ça c'est une exclusivité Target aux États-Unis. Enfin, je vais l'écarter pour pouvoir vous montrer d'abord la boîte.
Donc voilà, la boîte complète avec à l'arrière le set Avengers. Je sais pas trop si on va bien le voir sur cette caméra là, puisque du coup il faut que je recule beaucoup pour pouvoir l'avoir entièrement. Donc voilà, le Thanos en 10 pouces. Elle était disponible aussi donc au moment du Black Friday, non pardon, du Cyber Monday, sur le site Pop in a Box également, à pas trop cher. Et voici donc le Thanos en 10 pouces avec son gant. Et de derrière. Là, il passe dans le vide, sinon on ne voit pas entièrement la caméra. Voilà. Donc voilà, une bien grosse pop, on va dire quand même. Si je compare par rapport à une pop normale, hop, je vais l'échapper. Vous avez donc ici la pop normale Black Panther, et là vous avez la pop en 10 pouces de Thanos. Et alors du coup, il va me rester encore 3 pop d'univers un petit peu différents. On va continuer avec Marvel, on passe de la pop très grande avec le Thanos à une pop beaucoup plus petite avec un bébé Groot du Gardien de la Galaxie volume 2. C'est une exclusivité encore, il s'agit d'une exclusivité Toys R Us aux États-Unis. Le Groot donc avec la bombe. Et on voici la pop de bébé Groot, même plutôt, avec donc la bombe à aller désamorcer. Pardon, pas aller désamorcer, aller activer, excusez-moi, la mettre en place pour qu'elle explose, sans appuyer sur le bouton du milieu. Ok, donc pour cette première pop. La deuxième pop, je suis très content de l'avoir trouvée. Je vous en avais déjà parlé le mois dernier, c'est une pop que j'avais ratée lors de la commande pour la Comic Con de New York en fin d'année dernière. C'est la pop numéro 712, pop télévision 712. Il s'agit de Killer Frost, issu de la série Flash. Donc, comme je n'étais pas là au moment de la sortie sur Pop Culture, j'ai raté. Elle a été disponible quelques heures sur EMP et j'ai eu la chance de pouvoir la commander à ce moment-là. Du coup, j'ai reçu ma Killer Frost et je suis très content. C'est avec Galadriel, ma deuxième pop favorite de ce mois-ci. Hop là. Voilà donc Killer Frost. Une pop très sympa. Et enfin, donc la dernière pop de ce mois-ci, il s'agit d'une autre commande, enfin d'une autre pop que j'ai acheté sur EMP. J'ai acheté en même temps que celle-ci, du coup j'avais pas forcément prévu de l'acheter là, mais du coup pour éviter de payer des frais de port en fait, sinon pour la moitié de la prix de la pop, j'avais les frais de port, donc autant rajouter une pop et avoir les frais de port gratuits. C'est la pop télévision, Movies, numéro 635, Lord Elrond du Seigneur des Anneaux, donc ça va aller très bien avec ma nouvelle Galadriel et mon Gollum et tout le set première vague que je possède déjà. Il me reste encore les vagues 2 et 3 à acquérir. Donc la vague 3, vous l'avez ici, la vague normale. Je pense que j'aurai assez rapidement. Et donc voilà, Lord Elrond. Et de derrière, il a une coiffure bien sympathique. Hop. Et voilà donc pour cette pop. Voilà, vous avez donc ici toutes les pop que j'ai reçues sur le mois de décembre. 20 pop, dont une très grosse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine à 16h
pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, j'ouvrirai une boîte Woodbox Harry Potter que j'ai reçue, qui était en vente sur vente privée. Voilà, donc on fera ça dimanche prochain à 16h. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ferai un giveaway à 250 abonnés. Je crois qu'on a passé les 200 cette semaine, donc on s'en rapproche. Et dans les lots, il y aura notamment la Black Panther que j'ai en trop, la pop Black Panther. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à 16h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.